Salut la famille. Aujourd'hui, je vais vous présenter tarte au poireau avec fromage de chèvre. Donc, on va commencer. Je vais vous présenter mes ingrédients. Ok, donc je vais utiliser le poireau. Voici le poireau que j'ai utilisé. J'ai utilisé 3 poireaux. Voilà, le poireau, ça se vend au supermarché comme au marché. Voilà, mais j'ai utilisé 3 poireaux. Il reste 2. Voilà, donc maintenant. Voici le poireau que j'ai découpé et les oignons. J'ai pris une gousse d'oignon et je vais utiliser l'ail en poudre, poivre en poudre, magie tablette. Ok, maintenant je vais utiliser aussi crème fraîche avec du lait liquide, 3 œufs, pâte avec des pâtes brisées et fromage de chèvre, fromage emmental. Donc on va commencer. Je vais faire sauter d'abord le poireau à la poêle. Je vais mettre mon huile dans la poêle. Juste un peu d'huile, pas trop. Voilà. On va juste attendre un peu pour que l'huile soit un peu chaud. Ok, donc je vais renverser. Okay, je renverse mon oignon. C'est le plus oignon que j'ai utilisé. Je vais découper. Ensuite, je vais rajouter un peu de poivre en poudre. Je rajoute l'ail en poudre. Juste un peu de sel. Et je rajoute mon poireau que j'ai découpé et que j'ai lavé proprement. Voilà, j'ai découpé ça en rondelles et j'ai lavé ça proprement. Donc je vais faire sauter à la poêle. Et je vais utiliser ma jus tablette. Je vais ajouter ma jus tablette. Voilà. Les amis, donc on va commencer. Je vais commencer avec mon appareil. Ok, donc je vais casser les 3 œufs. Je rajoute crème fraîche. Je rajoute un peu de lait. Poivre en poudre. Je vais battre.
rajoute un peu, juste un peu de lait encore. Voilà. En fait, je vais découper fromage de chèvre. Je vais les découper en rondelles. Prendre le fromage de chèvre que je vais découper sans rondelle. Ok, donc je vais découper en rondelle. Voilà. On découpe ça un peu épais. Voilà, un peu épais. Je vais voir. Je vais regarder aussi mes légumes à quoi ça donne. Après le poireau que j'ai mis au feu. Je vais allumer mon four. Ok les amis, voici mon poireau que j'ai fait sauter, donc je vais renverser dans mon moule. Voilà, je vais renverser dans ma pâte brisée. Ensuite, je vais renverser mon appareil. Ok, j'ai renversé mon appareil. Je vais mettre mon fromage emmental. Je vais mettre ça dessus. C'est quiche au poireau que je suis en train de faire, les amis. Quiche au poireau avec fromage de chèvre. Donc, ça sont les fromages de chèvre que je vais rajouter. Voilà. Ok. Donc, voici, je vais réaliser quiche au poireau avec des fromages de chèvre. Donc, je vais mettre ça au four. Donc, on sera après pour la finale. Ok, les amis, j'ai fini de faire ma quiche. Ça, c'est quiche au poireau avec du fromage de chèvre. Voilà, donc les amis, si vous avez aimé ce que j'ai fait, vous pouvez réaliser ça à la maison. Vous pouvez faire ça les mêmes choses. Vraiment, c'est super bon et c'est délicieux. Donc, faites même chose. En tout cas, si vous avez suivi ce que j'ai fait, que vous faites même chose, ça serait super bon. Franchement, c'est super doux. Donc, les amis, voici le format de chèvre que je vous ai présenté. Donc, abonnez-vous sur ma chaîne, surtout. Aimez et partagez. Partagez à tous vos amis, à toutes les réseaux. Et abonnez-vous surtout. Merci de vous abonner sur ma chaîne. Bye.